Durant ce temps de l'Avent, cheminons et avançons à la rencontre du Seigneur, parce que la foi chrétienne n'est pas une théorie et une philosophie, mais une rencontre avec Jésus. C'est ce qu'a souligné le pape François durant son homélie de la messe du matin à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, pour cette entrée dans l'Avent. Le pape a observé que durant ce temps, la liturgie nous offre de nombreuses rencontres entre Jésus et d'autres personnes, comme avec sa mère dans l'utérus, avec Saint Jean-Baptiste, avec les pasteurs, avec les mages. Pour préparer son cœur à rencontrer le Seigneur, expliquait le pape, nous devons nous mettre en chemin avec trois attitudes. La prière à l'inizio della messa. Dans la prière au début de la messe, la liturgie nous propose trois attitudes. Être vigilant dans la prière, actif dans la charité et jubilant dans la louange. À savoir, nous devons prier avec vigilance. Nous devons être actifs dans l'exercice de la charité. La charité fraternelle. Pas seulement donner l'aumône, non, mais aussi supporter les personnes qui m'ennuient. Supporter à la maison les enfants quand ils font trop de bruit, ou le mari ou la femme quand il y a des difficultés, ou la belle-mère. Je ne sais pas, mais tolérer. Toujours la charité, mais active. C'est aussi la joie de louer le Seigneur, exultant de joie. Nous devons vivre de cette façon ce désir de rencontrer le Seigneur. Pour le rencontrer bien, ne pas rester immobile, et nous rencontrerons le Seigneur.